C'est magnifique. De toute beauté. Je n'avais rien vu de tel auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Observe bien. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, cette chose a exterminé toute une colonie. Tu sais pas ce que tu fais. Faux. Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait. Carguela, est à toi. Cuidado. Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Levantenlo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, Sully. Fidèles au poste. Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. La Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool.
Et puis, mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Tito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde! On a monté notre petite affaire. Halt! Police! Stop! Tito, par ici! Lance-moi le sac! Arrêtez! Ou je tire! Oh, merde! Ok, salopard! Écarte les jambes! Merde! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Comment on va organiser ça? Je peux avoir le Milky Way? Ah non, tu n'auras pas le Milky Way. On c'est est à un mon groupe, Milky Way. Alors... J'ai pris ma voiture ce matin et j'ai acheté ce Milky Way exprès pour le manger après ma fête. C'est bizarre de faire ça. C'est pas bizarre, c'est ma petite friandise que j'adore. J'ai besoin que tu m'aides cette. C'est pas juste que tu gardes le Milky Way, j'en veux de ce Milky Way. Je serais franchement vénère si j'ai pas au moins un bout du Milky Way. Maintenant Craig veut un bout du, ouais, Milky, je veux un Way. Bout du Milky Way. C'est le plus, voilà, juste. C'est ça, on divise tout en 5. Je veux un cinquième de ton t-shirt et je veux le bout en bas là, le bide. Je refuse de me balader le nombril à l'air. Je vais le découper et m'en faire un serre-tête, moi. Tu vas devenir dingue si tu vois mon ventre. Écoutez, il y a juste un truc. Je dois insister pour le Milky Way. Non, je fais de l'hypoglycémie et si mes endorphines chutent trop bas, je deviens super pénible. Pardon? Si ta glycémie est en vrac, tu auras le droit de tremper le doigt dans le pot de Nutella. Donc un doigt dans le pot de Nutella. Ça me va. Des léopards des mers, les vipères de la nature. C'est pas les vipères de la nature? Comment veux-tu que je le sache? J'habite dans cette fichue toundra gelée. Ils vont attraper l'œuf. Parle. On dit qu'un étranger sorti des flots rend parfois visite à ce village. Il vient l'hiver quand les villageois ont faim, les bras chargés de poissons, les jours de marée royale, donc hier soir. T'as des yeux, alors regarde. Le port est plein d'icebergs. Plus un bateau qui passe depuis 4 mois. Mais c'est pas par bateau que cet étranger arrive.